T'as dit quoi? T'es la copine de qui? De Kevin. Oh, le feu du Saint-Esprit va te brûler. T'es un connard. Tu te prends pour qui? T'es vilain. Que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera une story time. Vous m'avez demandé tellement de story time, genre vous avez envie de manger des story time, donc je vais vous donner à manger, je vais vous nourrir avec des story time, parce que vraiment tout ce qui s'est passé dans ma vie là, vous êtes même pas prêts. Donc on va direct commencer sans plus tarder. Ah si, je vais vous parler de mes mèches, mes magnifiques mèches. Non mais attendez, je les ai pas laissées ce matin. Look, ok, qui viennent de chez Gubano R, si je ne me trompe pas, si j'ai oublié le prénom, parce que moi et les prénoms je retiens pas. Et j'ai été coiffée par Kitoko Ladies. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout ça c'est vraiment genre juste top. J'ai même pas besoin de parler, de toute façon ça se voit. Je vais direct commencer. Alors en fait cette histoire elle s'est passée il y a quelques années en fait. J'ai rencontré un gars, enfin j'ai rencontré, il voulait me gérer quoi, c'était pas vraiment j'avais l'arrêt. Franchement si je rigole c'est à cause d'elle hein. Sincèrement c'est vraiment à cause d'elle, elle me fatigue. Donc en fait j'ai rencontré un gars qui voulait me gérer, comme je vous ai dit. On va l'appeler comment, on allait l'appeler Isaac, voilà. Donc on va l'appeler Isaac et tout. Donc Isaac voulait me gérer tout ça, mais bon moi c'était pas trop mon style, donc j'ai réussi un peu à le détourner. Donc lui et moi on est restés amis. Donc un beau jour comme ça, Isaac a snappé un gars dans sa classe. Faut savoir que moi je suis pas le genre de personne qui commente les snaps, vraiment, surtout à l'ancienne en fait. J'étais pas celle qui va direct commenter. Vous savez, il y a des gens où dès que tu mets un snap, dès qu'ils commentent, en fait c'est leur du tac au tac, c'est leur habitude. Sauf que moi bah je suis pas comme ça. Donc Isaac a snappé un gars qu'on va appeler Kevin. Du coup Kevin c'était vraiment mon style de gars, bien noir, mignon, bien grand, genre vraiment tout ce que j'aime chez un gars quoi, vraiment. Donc bref, donc, du coup je commente la story de Isaac et tout, je lui dis ah mais c'est qui ça et tout, parce que j'avais jamais vu dans sa story. Il me dit ah et tout, c'est un gars de ma classe, en plus de ça, chose bizarre, il est dans ta ville, comment ça se fait que tu le connais pas? J'ai fait ah ok et tout, je savais pas tout ça, bref. Donc en gros, moi après j'ai zappé l'histoire, je pense qu'il était 16h quand j'ai dû lui parler, et vers 21h, il y a un gars qui m'ajoute sur Snapchat. Carrément j'étais choquée, je me suis dit non en fait c'est pas possible, parce que moi franchement à cette époque-là, je partageais vraiment pas mon snap. C'est-à-dire que si tu m'ajoutes, c'est que vraiment, toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on a communiqué. Je t'ai passé mon Snapchat, tu m'as ajouté. Donc bref, je vois un gars qui m'a ajouté tout. Je me dis, mais attends, mais c'est qui ça et tout. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, non. C'est sûr, Isaac, il a dû passer mon snap juste parce que j'ai dit que l'autre, il était beau, tout ça. Bon, enfin, bref. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, hein, il va pas me bouffer. Donc peace. Donc puis c'est tout, j'ai accepté. Isaac m'avait dit que le gars en question habitait dans ma ville. Donc moi j'ai snappé le filtre de ma ville, histoire de dire hey, tu m'as ajouté, viens me parler quoi. Donc effectivement dès que j'ai snappé ça et tout, Isaac, effectivement, Kevin est venu me parler. Kevin, le gars, le pote de Isaac et tout, en disant ah et tout, t'es dans ma ville et moi je t'ai jamais vu. Après j'ai fait AMDR et tout, moi aussi je t'ai jamais vu, chose bizarre. Bref, on a commencé à papoter tout ça, on parlait que sur Snapchat hein. J'avais jamais passé mon numéro tout ça. Je n'ai toujours parlé sur Snapchat et un beau jour j'étais dans le RER A et tout, et je reçois un appel tout ça. Un appel inconnu, du coup je réponds et tout, la personne elle me dit oui, allô, est-ce que tu vas bien? Et moi je sais pas c'est qui, donc du coup j'ai dit ouais c'est qui, la personne elle voulait pas me dire. Et moi je kiffe ça, genre vous savez les petits jeux façon t'es qui, t'es pas qui, moi j'aime trop ça, genre c'est vraiment mon kiff. Du coup j'ai parlé avec lui vite au téléphone et tout, et je savais toujours pas c'est qui. Sauf qu'au bout d'un moment en fait j'ai vite compris que c'était Kevin et tout, et que c'était Isaac encore une fois qui avait passé mon numéro. Mais après j'en ai pas voulu à Isaac en peace, tranquille, parce que Isaac en fait je lui faisais confiance. C'est-à-dire qu'il allait pas me présenter un gars bizarre, c'est ce que je pensais du moins. Donc j'ai commencé à parler avec Kevin. Maintenant vu qu'avec mon numéro on parlait, e-message, Snapchat, partout, même Twitter et tout. Franchement tous les soirs au téléphone on se racontait vraiment nos vies. Vraiment nos vies. Et à l'époque j'étais vraiment naïve, dans le sens où genre en peu de temps je te fais grave confiance. J'ai commencé à te raconter ma vie et choses que j'ai fait, choses que je n'aurais pas dû faire. Donc j'ai vraiment commencé à me confier à Kevin, tout ça. On parlait vraiment de ouf, tout ça. Et je l'aimais vraiment bien. Parce qu'en plus, moi, dans mes critères, franchement, c'est con d'avoir des critères, mais vraiment, moi, dans mes critères, c'était vraiment d'avoir un gars noir, chrétien de ouf, qui est grand de taille, qui s'habille bien, qui est gentil, qui est drôle. Et franchement, Kevin, il était grand de taille, il était gentil, c'était un chrétien, vraiment, chrétien à fond, un frère en Christ. Méfiez-vous des frères en Christ.
méfiez-vous d'eux. C'est les plus dangereux. Donc, et tout, c'était un frère en Christ, et surtout qu'il faisait des études, et franchement, c'était mon... C'était vraiment un de mes principaux critères, en fait, le fait que mon futur copain fasse des études, parce que je ne me voyais vraiment pas être avec une personne qui va traîner en bas des halls, qui va rien faire de sa vie. Franchement, moi, si je me mets avec quelqu'un, c'est vraiment pour du long terme, en fait. Donc, le fait de penser, de parler avec un gars qui faisait pas des études, ça me plaisait pas du tout. Et le Kevin en question était en BTS, je ne sais plus quoi. Enfin, des études, quoi. Peu importe ce que c'est, tant que t'es posé dans ta tête, que tu sais que tu dois faire des études pour aller loin, moi, ça me convenait. Franchement, Kevin, comment vous expliquer qu'il remplissait vraiment à 100% mes critères? C'était vraiment un truc de ouf. Enfin, bref. Du coup, j'ai commencé à parler avec Kevin, tout ça, nanana. Je vous ai pas dit, j'ai commencé à lui parler en novembre. C'était en novembre. Du coup, ouais, c'était en novembre. Si, c'était en novembre. Bref. Donc, c'était en novembre, on a commencé à se parler, tout ça. Et décembre arrive, il y a eu le 31 décembre. Faut savoir que les signes ne trompent jamais, les filles. Je vous assure que les signes ne trompent jamais. Le 31 décembre, en fait, il est parti à l'église et Isaac, comment vous expliquer? Déjà, il m'a masqué de sa story parce que le snap en question, moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu dans la story de Isaac. Du coup, Isaac, en fait, il a capturé le snap de Kevin et a remis dans son snap en disant, suivant l'exemple de Kevin. Et vous savez, sur le snap, c'était quoi? C'était Kevin avec une go. Eux deux, ils étaient vraiment super proches, tout ça. Dans ma tête, je me suis dit, wesh, c'est sûr, il est une meuf, c'est sûr que c'est sa meuf. Et j'ai commencé à péter un plomb toute seule. Pourtant, moi, on était pas ensemble, on faisait juste de se parler et tout. J'ai commencé à péter un plomb toute seule. Ah, ça se fait. En gros, franchement, j'étais triste et tout, j'étais attristée et tout ça. Je pensais voir Isaac, mais t'es sérieux, toi et tout? Comment ça, tu me présentes un gars qui est comme ça? Non. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas sa copine. Je suis partie voir Kevin aussi. Kevin m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était le 31 décembre et tout, c'était la fête de l'église et tout pour le nouvel an et tout. Donc j'ai pris une photo avec une soeur en Christ et tout. Bref, eux deux ils m'ont baratiné le cerveau. J'y ai cru genre ils m'ont vraiment retourné le cerveau. Enfin bref. Donc j'ai continué à parler avec Kevin. Faut savoir que j'ai parlé avec lui en novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Le gars ne m'a toujours pas dit, viens, on se voit. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il y a quoi? Genre, je te plais pas, genre, tu veux pas me capter, tu veux pas me dire, Annie, viens, on va au cinéma, surtout que, il habite à même pas 15 minutes de chez moi, et bien moi, on s'est jamais croisé, tu veux pas me dire, Annie, viens, on va au cinéma, Annie, on va sortir, Annie, viens, on va à un parc, et rien qu'un parc, moi, je suis contente, hein, sincèrement, rien qu'un parc pour parler, tout ça, moi, et ça me suffit, pas besoin de gaspiller tes 10 balles dans un popcorn que je vais même pas finir, donc ça sert, non, je rigole, je vais tout finir, même pour toi, je vais finir, non, sincèrement, genre, je voulais juste qu'ils me disent, viens, on se voit, et j'allais juste me mettre au max, etc. Bref, le gars, le mogon ne m'a toujours pas dit, Annie, viens, on se voit. Bon. Je me suis dit, bon, s'il veut pas qu'on se voit, c'est qu'il préfère qu'on se parle par message. Et franchement, moi, ça me dérangeait pas, en fait. Ça me dérangeait pas. Ça me posait pas de problème. Tant que ça, attendez, je bois parce que là, ça va chauffer. Du coup, en fait, le temps passe, etc. Et je vois que Kevin veut toujours pas me voir. Et moi et Kevin, on commence de moins en moins à se parler. Je commence à prendre mes distances parce que je vois que il avait des fois des manières que j'appréciais pas trop, quoi. Donc moi j'ai laissé tomber, j'ai commencé à parler avec un gars. Et quand Kevin l'a su, c'est là que monsieur s'est réveillé, genre quand il a su que j'ai commencé à parler avec un gars, il est revenu me parler en mode ouais viens on se voit. Dans ma tête je me suis dit, il fallait qu'un gars vienne me gérer pour que toi tu te réveilles, quoi. Bref, donc il m'a dit ouais viens on se voit, tout ça. Et au parc de ma vie, j'étais vraiment trop frais. Vous savez, premier rendez-vous et tout, tu te mets au max, mais pas au max, genre faut que le gars il soit encore sucré. Après tu peux pas tout donner d'un coup. Oh. Donc bref, je suis partie et lui, il était trop bien habillé, il m'attendait, tout ça. Bref, bien sûr, j'arrive en retard parce que tu peux pas arriver à un rendez-vous à l'heure. Vous deux, vous allez vous regarder arriver, c'est quoi? C'est mieux, il s'assoit, il me regarde arriver, il porte un bon petit jean avec ses bonnes petites baskets. Genre, et tout ce que j'aimais, la simplicité. La simplicité, tu cales une bonne petite paire de Nike avec un bon petit jean, tu te brosses les dents, moi je suis contente, hein. La vérité, moi je suis contente, ça me suffit. Donc on a passé franchement une bonne après-midi, on a bien parlé, on s'est pas embrassé parce qu'on n'embrasse pas au premier rendez-vous, les filles. Au cas où vous ne serez pas, si vous voulez, je vais vous faire une vidéo du premier rendez-vous parce que vraiment, il y a des règles que faut pas louper, quoi. À partir de ce jour-là, en fait, on a recommencé vraiment à bien se reparler, tout ça. Donc, genre vraiment tous les soirs au téléphone, des love to love au phone. À l'ancienne, faut savoir aussi que j'avais Twitter et franchement, quand je finissais de parler avec lui au téléphone et tout, je tweetais grave. Faut savoir que mon compte Twitter était en privé. Donc lui, il se permettait de retweeter mes trucs, etc. Enfin, de fave mes commentaires et tout. Mais vu que j'étais en privé, personne d'autre pouvait voir si la personne n'était pas abonnée à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc en juin, je partais, je pense, 2 jours avant, je partais à mon stage. Et la veille, je sais pas, j'avais décidé d'enlever mon
mon Twitter en privé. Je me suis dit, bon, Annie et tout, vas-y, laisse tomber, ça, mets-le en public. Donc, du coup, je le montre public et tout. Le lendemain, je me lève, j'y vais à mon stage. Genre, j'avais même pas ouvert, je crois que j'avais ouvert la porte de chez moi. J'allais descendre la première marche quand je reçois un message sur Twitter. Excuse-moi de te déranger et tout, je suis la copine de Kevin depuis 3 ans. T'as dit quoi? T'es la copine de qui? J'ai dit pardon? Genre t'es la copine de qui? Bref, dans ma tête j'ai commencé, j'avais loupé 2 marches et tout. J'étais choquée, j'étais scandale. Mon cœur a commencé à battre des pulsions. Genre on va dire mon cœur il était là, bah, genre vous voyez l'ascenseur à la foire du trône? Mon cœur il a fait ça. Genre j'étais choquée, mon Kevin, celui avec qui je me voyais déjà faire des enfants, mariés, tout ça, au pays, la dot et tout. Mon Kevin est en couple depuis 3 ans. Même pas la go, elle me dit depuis 1 an, depuis 6 mois, tout ça, depuis 3 ans. Toi tu te trompes, ta copine depuis 3 ans, ça va pas? Non, franchement j'étais scandalisée. J'étais choquée, mon cœur elle a commencé à battre, j'avais des gouttes de sueur dans le sens, je me suis dit mais non, Annie t'as raconté ta vie à ce mec, tu t'es confiée à lui pendant plus de 6 mois, t'as parlé avec lui, etc, etc. Et il ose faire ça. En fait j'avais plus de pitié pour sa meuf que pour moi, dans le sens où même si moi j'étais quand même un peu attachée à lui, tout ça. Du coup je réponds à sa meuf que oui, effectivement, moi et son mec, on se parlait très bien, même j'insistais sur le fait. En fait je voulais pas la blesser, mais... moi-même j'étais blessée au fond de moi. Du coup je voulais qu'elle sache, en fait je voulais tout qu'elle sache, tout. Pourtant à l'heure actuelle, si cette situation se reproduit, je vais pas réagir de la même façon. C'est-à-dire je vais vraiment essayer d'arranger son couple à elle au lieu de moi me mêler, parce que j'étais le deuxième bureau, quoi, la deuxième porte à côté. Donc elle et moi on a parlé tout ça, et quand elle m'a envoyé un message, j'étais tellement énervée, tout ça. Elle, j'ai parlé calmement, je n'ai pas manqué de respect ou quoi que ce soit, on a parlé super calmement et tout. Elle m'a dit envoie-moi les captures d'écran et tout, et j'ai envoyé des choses que je n'aurais pas dû faire, parce que bah ça se fait pas, quoi. Enfin bref, du coup moi j'ai envoyé un message à Kevin et je l'ai insulté. Je l'ai insulté de tout mon cœur et j'avais de la haine au fond de moi. J'avais de la haine de me dire que je lui ai raconté ma vie, que j'ai parlé avec lui, que je me suis confiée à lui, qu'on a passé des heures au téléphone. Et j'étais blessée au plus profond de moi. Je l'ai insulté, j'ai dit retourne plus jamais à l'église, le feu du Saint-Esprit va te brûler, t'es un connard, tu te prends pour qui, t'es vilain, tu... je l'ai insulté et je l'ai lavé propre. Je l'ai insulté. J'ai tellement insulté, ça venait vraiment de mon cœur. Là, quand je repense en tête, tu dois pas avoir cette haine là au fond de toi. Mais ce jour-là, j'avais vraiment cette haine-là d'être blessée. Bref, du coup, j'ai envoyé un message et tout. Et moi, je m'attendais à ce que, en fait, le gars, il ait honte, en fait. À ce que le gars, il se cache, à ce que le gars, il ne réponde même pas à limite. Vous savez, il me dit quoi? Espèce de grosse folle, tu veux niquer mon couple, t'as complètement pété. Et je rouvre. Et en fait, il a carrément changé de visage. En fait, là, j'ai carrément vu son deuxième visage. Espèce de grosse folle et tout. Pour qui tu te prends et tout. Moi, j'ai voulu te dire. Depuis quand j'ai voulu te dire tout ta pète. Le petit Kevin a grandi. Le petit Kevin a tellement grandi. J'étais scandalisée. Il m'a tellement insultée et tout. Bref, donc en gros, après, j'ai plus répondu et tout. Après, Isaac, j'appelle Isaac et tout. Mais Isaac, toi, t'es sérieux? Quand l'intuition que j'avais, elle était bonne. Quand tu me présentes un gars qui est en couple et tout, mais t'as craqué, j'ai commencé à embrouiller Isaac et tout. Il me dit ouais, mais moi je savais pas. Et je l'ai su au milieu. Et après, je voulais pas trop niquer votre couple et tout. Et moi, j'étais tellement informée que vous savez, j'ai dit quoi, Isaac? De toute façon, s'il me répond encore, je vais insulter tous ses ancêtres. En fait, c'est une façon de parler. Ça se fait pas, ça se dit pas. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Mais je l'ai dit. Et Isaac, il est parti dire à Kevin. Kevin, il m'a envoyé un message. Je vais te niquer ta bip. Ça le bip. il m'a insulté, il m'a dit envoie ton adresse, je vais tellement te niquer, tu vas voir. Non. Et moi je pensais que c'était du bluff. Et moi tu me parles, je te prends même pour sérieux. Tu veux venir me niquer, viens me niquer. Du coup je lui ai envoyé l'adresse de mon stage. Et moi je finissais à midi. Comme je vous ai dit, il habitait dans mon quartier, enfin pas très loin quoi. Et le gars il est venu, il m'a dit ouais, je suis devant ton stage. J'ai dit attends tout, je finis dans 5 minutes. Du coup je finis dans 5 minutes. Moi je suis sorti en mode warrior, Xena la guerrière et tout, en mode il va rien me faire. Il m'a attrapé le bras. Il a commencé à me mettre des paves dans la rue, il a commencé à me niquer dans la rue. Au début, je voulais fort pas me défendre et tout, parce que dans tous les cas, même si tu te défendais, ma chère, tu vas te faire niquer pour rien. Tu vois, autant te faire frapper, tu vas rentrer chez toi, on va avancer. Au lieu de vouloir te défendre, il va vraiment bien te niquer, te mettre des poings dans ta gueule là. Enfin, bref, du coup, je me défendais pas et tout. Et le gars,
Vous savez, il fait quoi? Il m'a tiré les cheveux. Et là, non, mais attends, je me suis dit, non, mais c'est une blague. Tu me trompes. Enfin, tu me trompes, entre guillemets. Tu me trompes. Tu viens, tu m'insultes, tu me manques de respect, tu m'humilies, tu viens de devant mon stage me frapper en plus de ça. T'oses faire des phases de meuf, me tirer les cheveux, mais t'as pété un plomb. Et là, j'ai commencé à vouloir me défendre en vain. Eh, j'ai voulu lui mettre un coup de pied raté. Après, du coup, les gens ont commencé à séparer, tout ça. Bref. Et pendant la bagarre, en fait, j'ai déchiré son t-shirt. Du coup, ils nous ont séparé, tout ça. Moi, je vais rentrer chez moi. Vous savez, fait quoi? Il dit, mais attends, mais tu vas où? Tu viens de déchirer mon t-shirt, où tu vas? Et il est super culotté. Eh, quand tu vois le deuxième visage des gens là, tu te dis, mais non, c'est pas lui. Il m'a dit, mais tu vas où? T'as pété un pont, toi? Tu vas réparer mon t-shirt. Il a dit, tu vas réparer mon t-shirt. Il a dit, tu vas réparer mon t-shirt. Tu vas me repayer mon t-shirt. Tu vas rentrer chez toi. Si tu fais pas ça, là, tu rentres pas chez toi. Je l'ai regardé comme ça. Je me dis, mais t'es sérieux, toi? Mais est-ce que t'es sérieux? Il m'a dit, ouais, je rigole archi pas avec toi. Je voulais avancer. Il se mettait devant moi, je vous ai dit, il était super grand. Et moi, je fais 1m59 en fait. Je suis archi cuss. Je suis archi petite. Je ressemble à une fourmi sans défense. Eh, c'était impossible pour moi de me barrer. Du coup, j'ai dû appeler ma tante. Eh, cette histoire, elle allait partir trop loin. Ma tante, elle a appelé. Elle a dit, non, je laisse pas votre fille et tout. Elle a déchiré mon t-shirt. Moi, je peux pas rentrer comme ça. Il est en débardeur. En plus, il pue. Eh, ça doit être de se lever. Vous voyez les auréoles jaunes qu'il y a sous les débardeurs et tout là. Lavez-vous chez vous. Bref, du coup, il sentait mauvais et tout. Bref, du coup, il voulait pas rentrer. Après, moi, j'ai dû appeler un ami à moi. Parce qu'en fait, franchement, je voulais pas appeler. En fait, j'ai deux types d'amis. J'ai des amis qui allaient venir, qui allaient l'embrouiller, ça allait partir loin. Et j'ai le type d'amis qui allaient venir parler calmement, apaiser l'histoire et terminer. Du coup, j'ai appelé mon ami qui est venu, qui lui a ramené un haut. Ils ont parlé. Il lui a dit, ouais, mais t'aurais dû régler cette histoire autrement au lieu de la frapper. La prochaine fois, si t'as un souci avec elle, appelle-moi directement. Et le pote qui est venu, c'était trop un bon. Enfin bref, du coup, après, l'histoire, elle s'est terminée. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'avais des cours partir. Oh my god, j'arrivais même pas à lever ma tête. On m'avait tellement frappée. Ma mère, elle se moquait de moi là. Elle se moquait de moi et tout. Bref, et deux jours après et tout, il m'appelle et tout. Franchement, je suis archi parent. Quand j'ai vu son numéro, franchement, j'ai regardé mon téléphone comme ça avant de répondre et tout. Après, je me suis dit, bon, vas-y, réponds. Après, il m'a dit, oui, tu fais quoi? Après, je disais, rien avec toi. Franchement, je disais des et toi. Genre en mode la meuf archi parent cunière. Genre, je disais des et toi et tout. Bref, du coup, il m'a dit, ouais, je tenais à m'excuser pour le comportement que j'ai eu. Franchement, je voulais archi pas que ça aille loin. T'es une fille, j'aurais pas dû. Franchement, il s'est excusé. Moi, je me suis dit, pisse, sans rancune. Et l'histoire, elle est passée. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je le croise encore dans les transports en commun. Il m'a encore sur Snapchat. Franchement, on se parle comme si de rien n'était. Genre, en tant que connaissance, je dirais pas ami, mais en tant que connaissance et tout. Je vous ai pas aussi dit que sa go là, elle m'avait pisté pendant 2 mois après cette histoire. En gros, pour voir si je parlais toujours à son mec et tout, mais je suis archi pas comme ça, elle est tarée. Moi, tu manques de respect une fois, pas deux fois, je vais archi pas forcer en fait. Le gars, il est pas à moi, je vais pas forcer pour essayer de l'attraper dans mes filets. Il y a ce genre de fille là qui va forcer, même si c'est pas le vôtre, laissez-le. Franchement, laissez-le, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de forcer l'amour. Tu forces l'amour, tu vas te faire du mal. Plus tu forces en fait et plus tu t'enfonces et plus t'auras mal, t'auras du chagrin, t'auras des séquelles et tout, ça ne sert à rien. Quand vous voyez qu'une relation est nocive pour vous, éloignez-vous de la personne. Ça ne sert à rien de persister en disant ouais la personne elle va changer. En fait j'aurais pu franchement avec ce gars là, il m'aimait bien, je savais qu'il m'aimait bien parce que tu peux pas être en couple pendant 3 ans et parler avec une go pendant plus de 6 mois en fait, c'est que dans ton couple ça va pas. J'aurais pu persister, plus forcer, je pense que ça aurait pu marcher, mais après d'un côté... À quoi ça sert? Genre, sincèrement, à quoi ça sert? Donc, quand vous voyez qu'il y a une petite faille et tout, franchement, partez, priez, demandez de l'aide et tout, parce que ça, franchement, ça sert à rien. Franchement, je vous assure que si vous priez, vous aurez toutes les réponses que vous devez avoir, en fait. Sincèrement, donc, bon, l'histoire, elle s'est terminée. Et voilà, donc, à l'heure d'aujourd'hui, commente mes snaps, pas moi. Parce que j'ai vraiment arrêté, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de raconter ma vie aux gens. Donc, voilà, la morale de l'histoire est que, de 1... Racontez pas votre vie aux gens parce que vous ne savez pas le derrière, en fait, l'envers du décor. En fait, j'ai raconté ma vie, ça trouve, il partait me critiquer avec sa go, enfin, pas avec sa go parce qu'elle savait pas, mais en fait, on sait pas vraiment le vrai fond des gens, en fait. Donc, méfiez-vous, genre, donnez pas votre confiance comme ça. De 2, ne parlez pas quand vous êtes énervé parce qu'on peut vous boxer comme on m'a boxé. Et de 3, enfin. Commentez pas les snaps des gens, quoi. Franchement, j'aurais pas commenté le snap de Isaac, j'en serais pas là Et voilà quoi. Donc c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez aimer, vous allez partager, vous allez liker, que vous allez me suivre sur Snapchat, Instagram, patati, patata, fianti, potata. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée si vous regardez ça en fin de journée. Une excellente soirée si vous regardez ça en fin de soirée. Et bonne nuit si vous allez dormir après ma vidéo quoi. Bisous.